De nombreuses personnes affirment avoir ressenti à leur côté, à un moment ou à un autre de leur vie, une présence immatérielle. J'ai clairement entendu Marie me dire « Maman, maman, fais quelque chose, maman, je veux revenir. » Il parlait pas de mort, il parlait de départ. Il me parlait aussi de sa vie au paradis. L'histoire de ces personnes est troublante à plus d'un titre, car elle présente de nombreuses similitudes. J'ai entendu une petite voix dire « Anne-Sophie, Anne-Sophie ». Je me suis tournée, mais là, bien sûr, il n'y avait pas personne. Le garçon qui venait me voir, il y avait quelque chose qui me frappait à chaque fois, c'est qu'il portait des souliers et des vêtements que je ne reconnaissais pas. Soudainement, j'ai vraiment senti comme un froid m'envelopper. Le poil m'a carrément levé sur les bras. Ma tante m'a dit qu'elle l'avait senti et m'a dit « C'est Marie, elle est ici. » L'histoire que nous vous présentons ici illustre bien le lien troublant qui a toujours existé entre le monde des morts et celui des vivants. Marie-Annick et moi, on avait développé une relation presque comme deux amies. Mère-fille, mais je sais qu'elle se plaisait à dire à ses amis « Ah, moi, ma mère, c'est ma meilleure amie. » Et on avait ceci de particulier, c'est qu'elle et moi, on n'avait pas besoin des mots pour se comprendre. Le jeudi 1er juin 2006, Marie-Annick Vigée a rendez-vous avec son amoureux à Saint-Eustache. Elle prévoyait aller retrouver son copain qu'elle n'avait pas vu depuis une semaine. Il lui disait qu'il y avait des choses à régler avec elle et qu'il voulait s'excuser et tout. Donc, elle était pressée, elle était toute fébrile, enfin, qu'il la rappelle et elle voulait retourner le voir. Et je me rappelle que je lui avais dit « T'es sûre, Marie, que tu veux y aller? Je sens rien de bon. » Puis elle m'avait dit « Ben oui, maman, tu t'inquiètes tout le temps trop pour rien. S'il y a quelque chose à arriver, mais ça arrivera, il faut que ça se règle. Si ça a à finir, j'aime mieux que ce soit face à face. » Et quand elle est partie cette journée-là, je me rappelle lui avoir fait un câlin. Ça, je lui en faisais régulièrement. Mais ce qui était particulier, c'est que je l'ai prise dans mes bras puis j'ai dit, en anglais, je lui ai dit « N'oublie jamais à quel point je t'aime. » Quand elle est partie, j'ai eu la nette sensation que c'était la dernière fois que je la voyais. À 23h40, le téléphone a sonné. Et d'emblée, j'ai dit à mon conjoint, « Ah, ça doit être Marie qui dit qu'elle rentre pas coucher. » Elle était comme ça, Marie. Jamais nous laissait s'inquiéter. Si elle savait qu'elle était pour découcher, elle appelait toujours, peu importe l'heure qui était. Quand j'ai pris le téléphone, là, c'était une autre paire de manches. Là. Je l'ai entendu crier mon nom, « Maman, maman, maman », elle répétait ça sans cesse. Dévoilait toute sa souffrance. Elle m'annonçait que son copain venait de la quitter, de la laisser. Pour
quoi, maman, c'est assez difficile en tant que mère de pas être capable de répondre ou de pas... Pour la première fois, j'étais vraiment dépourvue. J'étais au dépourvu devant l'ampleur de sa peine. Moi qui ai toujours su quoi dire, quoi faire pour la rassurer, cette fois-là, j'étais bouche bée, là. J'essayais de lui dire « Marie, Marie, Marie », comme pour la ramener à du concret, à du réel. J'étais incapable. Elle était comme en crise d'hystérie, tellement elle pleurait, elle criait, là. Elle m'entendait comme pu. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon conjoint « Viens lui parler. Je suis pas capable là, du tout d'avoir son attention. Elle est en pleine crise d'hystérie. » En remettant le combiné à mon conjoint, il a pris une voix et un ton ferme comme pour la secouer. Il a dit « Qu'est-ce qui se passe, là, Marie? » Et j'étais à côté de lui et elle parlait tellement fort parmi ses cris et ses larmes que je l'ai entendu répondre « Il m'a laissé, André, avec une voix tremblotante. » Puis le téléphone a coupé. Face au silence de Marie-Annick, Liliane et son conjoint décident de partir à sa recherche. On a monté à Saint-Eustache en espérant la rencontrer en chemin. Une quelconque trace de Marie-Annick, soit son véhicule, mais rien. Et on est allé au poste de police de Saint-Eustache pour déclarer sa disparition, parce que la dernière nouvelle qu'on avait d'elle était dans la zone de Saint-Eustache. Je suis incapable de dormir. J'ai tenté, comme je faisais régulièrement avec Marie, je lui demandais, quand j'étais inquiète d'elle, je lui demandais de me donner un signe. Et immanquablement, elle m'appelait quelques minutes plus tard pour me dire « Allô, ma belle maman, je t'ai pas oubliée » ou bon. Donc, je me suis dit « Bon, je perds à rien, essayer encore. » Donc, je lui demande « Marie-Annick, donne-moi un signe, laisse-moi pas m'inquiéter comme ça. » Et ça a pris quelques minutes et j'ai vu une orbe dans ma chambre. Une orbe étant la manifestation d'un esprit qui est comme une boule de lumière dans le coin gauche de ma chambre. Pour Liliane Moisan, il n'y a aucun doute. La sphère lumineuse qui apparaît dans la chambre constitue un signe de sa fille Marie-Annick. Malheureusement, la signification de ce contact est lourde de conséquences. De voir la sphère lumineuse, j'ai instantanément compris que Marie était décédée. Écoute, les sentiments sont tellement mitigés à ce moment-là. On a de la peine, on est en colère, on n'y croit pas trop, malgré le signe assez évident pour moi. J'ai tassé mon conjoint, j'ai dit « c'est fini, elle est partie, Marie, là. » Il m'a dit « mais mon Dieu, pourquoi tu dis ça? Inquiète-toi pas comme ça, peut-être que j'ai une amie, on va la retrouver. » Je te le dis, je viens de la voir, je le sais qu'elle est partie. On parle souvent de retour des morts quand il y a eu une mort violente, une mort accidentelle. Et on disait au 17e siècle, c'est assez intéressant, que mourir de cette manière-là, c'est de mourir sans langue. C'est-à-dire sans communiquer, sans dire aux gens qu'on les aime, sans dire ce à quoi on tient, sans faire adieu. Et sans aussi bénéficier de la chaleur de nos proches qui nous accompagnent quand on meurt et les rassurer d'une certaine façon du fait qu'on sera là avec eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité du temps, on va parler beaucoup plus de sentir une personne décédée, parce que c'est d'abord par le senti que ça va passer, et c'est le senti qui va nous faire comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose de spécial. Après une nuit d'angoisse,
Liliane Moisan se réveille sans avoir reçu aucune autre nouvelle de sa fille Marie-Annick. Je me dis, tant que j'ai pas retrouvé Marie, que j'ai pas de nouvelles d'elle, je peux pas quitter la maison pour aller travailler. J'avertis mes patrons et tout. Et je commence à téléphoner aux amis de Marie-Annick pour voir si elle serait pas chez une de chez elle. Et j'appelle la meilleure amie de Marie-Annick. Et je lui demande d'emblée, je lui explique vite fait. Et pendant que je lui parle, les policiers arrivent chez moi, les policiers de la Sûreté du Québec. Ce que j'ai trouvé curieux, il était 8h20 le matin et je savais que c'était l'équipe qui avait pris notre déposition terminait leur quart de travail à 7h. Il était 8h20 et je retrouvais la même policière qui avait pris ma déposition. J'ai trouvé ça pas normal. Et d'emblée, j'avais pas un bon feeling. Quand elle est arrivée à ma porte, je l'ai tout de suite pressée de questions. L'avez-vous trouvée? Comment elle est? Où elle est? Et c'est là qu'elle m'a annoncé que les policiers de la ville de Mirabel l'avaient retrouvée grâce à un témoin oculaire. Et qu'elle avait été transportée à l'hôpital de Saint-Eustache. Et comme si le mot hôpital m'avait rassurée, dans ma tête, j'ai fait « Ah, OK, elle est correcte, elle est à l'hôpital, nécessairement elle est blessée, mais au moins elle est en vie. » Et comme je suis assez expressive du visage, la policière a vu tout de suite que j'avais comme un élan de joie, de soulagement. Elle m'a pris par le bras et elle m'a dit, en hochant la tête, elle m'a dit « Le médecin n'a pas eu le choix de déclarer son décès à 6h ce matin. » J'ai senti mes jambes devenir molles. Si j'avais été debout, il se serait dérobé sous moi, c'est certain. Mes membres s'alourdir, c'est comme si je sentais plus mon corps physique. Tout ce que j'avais, c'était un bourdonnement dans la tête et j'avais l'impression qu'on venait de m'arracher le cœur. Quand je suis arrivé sur le coup, là, je cherchais à savoir ce qui s'était passé. J'aimais pas quand ils m'ont dit qu'elle était décédée. J'ai pas vraiment pleuré, je voulais pas le croire. Marie-Annick Vigée est décédée des suites d'un accident de voiture dans la municipalité de Mirabel le 2 juin 2006, aux environs de minuit. La jeune femme devait fêter ses 21 ans le 5 juin suivant, soit 3 jours plus tard. Elle roulait trop vite, elle a perdu le contrôle, puis son auto a pris le fossé, puis elle a rentré dans un petit pont, là. Elle a reviré à l'envers, puis elle s'est brisée le cou. La mort de Marie-Annick est un coup dur pour ses proches. Le tragique événement entraîne des conséquences troublantes, vécues intensément par tous les membres de la famille. Marie-Annick Vigée, jeune femme de 20 ans, a perdu la vie au volant de sa voiture, laissant tous les membres de sa famille, ses amis, dans un deuil difficile à vivre. A rêvé à Marie-Annick. Il a vu Marie-Annick. Il dit, je l'ai vu très clairement, à peu près jusqu'à mi-cuisse. Le reste devenait flou. Il dit, elle m'a dit, faut que je m'en aille. Puis quand elle m'a dit ça, je suis tombée à genoux. Et je me suis mise à pleurer parce qu'instantanément, j'ai compris qu'elle était décédée. Puis dit, je n'arrêtais pas de lui dire, tu peux pas nous faire ça. On a besoin de toi, tu peux pas t'en aller. Puis
Et elle m'a répondu, j'ai pas le choix. Puis elle a disparu. Ça, c'est très particulier parce que je considère que c'est mon conjoint, le sceptique de nous deux, qui a eu le premier signe de Marie. Et qu'elle lui dise, faut que je m'en aille, c'est particulier pour moi. Le rêve, c'est une façon extraordinaire d'entrer en contact. Quand on dit que tout le monde peut entrer en contact avec l'autre côté, le rêve est l'exemple propice, tout le monde rêve. Lorsqu'on a reçu une communication par le rêve, on le sait, on le sent. Il y a eu un ressenti à l'intérieur du corps. Toutes les personnes qui ont rêvé à un être cher décédé se réveillent au matin, même s'ils ne se souviennent plus du rêve. Ils savent qu'il s'est passé quelque chose. C'est un rêve qui n'a rien à voir avec un rêve ordinaire. Le rêve contact, c'est ce qui fait sa différence. On va garder un souvenir indélébile de cette communication-là avec l'être cher. En fait, il y aura peut-être trois raisons pour que les êtres se manifestent. Si tant est qu'on croit à cette manifestation-là, c'est pour nous signifier qu'il y a, de fait, l'existence d'un autre monde qui est en dehors du caractère empirique que l'on peut vérifier, hein, que l'on peut voir, donc qui est de l'ordre de l'invisible et qui est de l'ordre de l'énigme. Donc, pour nous signifier ça. Deuxièmement, pour nous signifier aussi que ils ont besoin de nous dans leur parcours, quel qu'il soit, vers l'au-delà. Et pour nous signifier aussi, peut-être, en troisième lieu, et ça, on voit beaucoup par les rêves, quelles seraient les indications qu'il pourrait nous donner pour la conduite de nos propres vies? Quand on apprend une nouvelle de ce genre-là, c'est sûr que ça nous démolit. On veut pas le croire, puis ensuite, quand on réalise que c'est vrai, on est démoli intérieurement. C'est une partie de notre vie qui part d'un claquement de doigts. Le surlendemain, puis le lendemain, j'ai eu à l'école, tout d'un coup, là, une crise. Là, ça fallait que mes parents viennent me rechercher, c'était trop fort. Puis là, je me suis mis à broyer. Là, ça a le cœur brisé, puis toutes les émotions ont sorti d'un coup. On avait là une très bonne complicité, puis c'était très, très, très proche. Mais au salon, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu dans son cercueil, c'était là que j'ai vu que c'était bel et bien fini. Dans toutes les cultures et les religions, la mort constitue un passage. Ce passage, pour être bénéfique, se doit d'observer un certain rituel, afin que l'âme de la personne décédée puisse accéder à un autre monde. Il faut que les vivants aident le mort à parvenir dans un au-delà et donc se détache graduellement de lui. Et ça aussi, c'est un peu paradoxal, parce qu'à la fois, on veut le retenir, on veut le garder pour soi, puis en même temps, on sait qu'il faut qu'il s'éloigne. Donc, c'est de penser à son mort, c'est de, évidemment, la première chose qui est la plus importante, et ça, c'est un universel, c'est de lui consacrer des rites de mort, des rites d'accueil de mort, des rites de funérailles, qui sont, d'ailleurs, pour les vivants, la partance du deuil. Au salon, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Nous étions en ligne pour les gens qui viennent nous donner leur sympathie et leur pardon. Et j'ai remarqué tout d'un coup une zone froide, un froid intense là, derrière moi qui transperce. Là. C'est pratiquement comme si c'était debout devant la porte d'un congélateur ouverte. Et moi, je savais que c'était une façon que les entités ont de se manifester. La fameuse zone froide étant expliquée par le fait que les entités ont besoin d'énergie pour se manifester. Ils le puisent à travers l'air ambiant, ce qui, comme l'énergie est source de chaleur, ça crée une baisse de température assez marquée, je dirais 3-4 degrés, si c'est pas plus. Les personnes décédées se manifestent pour différentes raisons, c'est-à-dire le besoin de communiquer, le besoin d'être aimé,
le besoin de rassurer, de réconforter les êtres chers, le besoin de faire sentir aussi que on est toujours en vie. Ça, je vous dirais que ça revient pratiquement tout le temps, parce que dans nos convictions, après la mort, ben la mort le dit, on est mort, donc il n'y a plus de vie. Donc les êtres chers qui restent vont avoir le besoin de faire sentir à leurs êtres chers, mais je suis pas mort, je suis encore là, je suis juste transformée, je suis juste dans un autre état. J'ai toujours observé que les gens qui mouraient subitement, surtout lorsque c'était un accident tragique qui laissait des traces traumatisantes à leurs proches, avaient plus tendance à se manifester que d'autres. C'était le 15 juin 2006. Cette journée-là, j'avais eu un appel au travail pour m'aviser que les cendres de Marie-Annick étaient prêtes. On l'avait fait incinérer parce qu'on savait que c'était son choix. Et quand je suis revenue à la maison avec l'urne à côté de moi, j'ai clairement entendu Marie me dire « Maman, maman, fais quelque chose. Maman, je veux revenir. » Et je l'entends carrément me dire « Maman, fais quelque chose. Je veux revenir. Je m'ennuie de mes amis. Je m'ennuie de mon corps. » Là, c'était comme implorant. Puis je lui ai répondu « Marie, je peux plus. T'es rendue trop loin. » La personne qui meurt a plus de deuil à faire que ceux qui le perdent. Alors, ils ont aussi besoin de venir chercher et porter en même temps, partager un moment d'amour, un moment de complicité, un moment de tendresse, parce que eux aussi en ont besoin. Ce qui était particulier, c'est que souvent, quand Marie-Annick était mal prise, c'était toujours de la façon qu'elle me demandait de l'aide, c'était toujours de la même façon. « Fais quelque chose, maman. » C'était toujours comme ça qu'elle commençait. Puis effectivement, cette fois-là, j'ai clairement entendu « Fais quelque chose, maman. Je veux revenir. » Ces manifestations de la présence de Marie-Annick ne sont que les premières d'une longue suite de contacts qui bouleversera non seulement la vie de tous les membres de la famille, mais aussi celle de ses amis. Depuis le décès de Marie-Annick Vigée au volant de sa voiture, les membres de la famille ne cessent de ressentir la présence de la jeune femme, suscitant une multitude de questions. Quelques jours après le décès de Marie-Annick, il a commencé à avoir des phénomènes en rafale. Simon, le cadet, il écoutait toujours à cette époque-là Mario Lirette, là, l'émission de disco là, au 105.7. Il y a un phénomène assez surprenant qui s'est passé. J'allume la radio, puis je viens pour la mettre à un poste que ça joue ma musique que j'aime beaucoup. Et puis, je viens pour monter dans ma chambre, que la radio change d'un coup de poste, un gros grichement, puis ça change, puis ça le met à un poste. Puis c'est la chanson « Petite Marie » de Francis Cabrel qui se met à jouer. Moi, je sors de l'héberluée parce qu'on sait très bien que Petite Marie, c'était la chanson préférée de ma fille Marie-Annick. Elle disait souvent à la blague, « Maman, je sais, j'ai l'air quétaine, mais cette chanson-là, c'est ma chanson. On dirait qu'elle est écrite pour moi. » C'était comme si c'était Francis Cabrel, assis ici tout seul avec sa guitare, sur un petit tabouret, puis qui chantait juste pour nous. Donc c'était assez spécial.
On s'est assis en se disant, mon Dieu, c'est un signe de Marie, c'est certain. La présence de Marie-Annick se manifeste de façon de plus en plus concrète au fil des jours. Elle avait comme habitude de faire ses travaux de cégep le soir très tard. Et souvent, je lui disais, Marie, ça fait du bruit. Elle écoutait de la musique et en faisant ses travaux de diététique. Et je lui disais souvent, Marie, il est tard, là, faut peut-être te coucher. Les jours qui ont suivi son décès, je me réveille en pleine nuit et j'entends clairement le cliquetis du clavier d'ordinateur, comme quand Marie faisait ses travaux, à la même heure, tellement clairement que je me suis surpris à dire « Marie, il est assez tard, là, faut peut-être te coucher. » Et je me surprends en disant « Ben voyons, qu'est-ce que je dis là? Elle est décédée. » C'est probablement possible de provoquer ou de revoir notre père qui est décédé ou de revoir un individu avec qui on était très, très, très attaché et puis qui est décédé, puis que là, on pense tellement à cette personne-là qu'on la voit dans les rêves, qu'on la voit dans notre esprit et que même en ouvrant les yeux, certains cas nous rapportent que la personne voit l'individu presque physiquement ou des fois sous forme d'ombre, mais à l'extérieur de sa tête, en quelque sorte. C'est sûr que dans un domaine de deuil, la personne est vulnérable, elle veut avoir des signes, mais moi, j'ai plus souvent observé que plus on veut, moins on en a. Après le décès de Marie-Annick, j'essayais de disposer de ses choses personnelles en me demandant qu'est-ce qu'elle aurait aimé. À qui elle aurait aimé que je donne ces choses-là. Et il y a plusieurs choses que j'ai remis à ses amis. Et entre autres, ses boucles d'oreilles. J'ai remarqué que ma nièce Véronique portait le même genre de boucles d'oreilles que Marie-Annick. Donc, je lui ai offert, si elle voulait bien avoir un souvenir de Marie-Annick, je lui ai offert de lui donner les bijoux que Marie-Annick portait. Elle m'a proposé de choisir des bijoux pour en avoir un souvenir, le ramener chez moi. Au départ, j'ai été un peu surprise par cette idée-là. Et après ça, j'ai été charmée, sachant que je pouvais avoir un petit morceau de ma cousine Marie-Annick avec moi. Pendant qu'on faisait le ménage des boucles d'oreilles, j'ai senti la fameuse zone froide. Je savais que Marie-Annick était présente. À ce moment-là, j'ai choisi de ne pas le dire à Véronique pour ne pas l'influencer. Au moment où j'étais dans la chambre en train de fouiller dans les bijoux à ma cousine, soudainement, j'ai vraiment senti comme un froid m'envelopper. Pas un froid comme un courant d'air. La température est un peu comme un courant d'air, mais il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air qui se déplace. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Le poil m'a carrément levé sur les bras. Elle me montrait son bras sur lequel on voyait tout son poil hérissé. Je disais, je le sais, moi aussi, je le sens. J'ai dit, c'est parce que Marie est ici. J'ai trouvé ça très touchant de voir Véronique, avec les yeux pleins d'eau, brandir des boucles d'oreilles dans les airs en lui disant, Marie, est-ce que je peux les prendre, celles-là aussi? Actuellement, on se rend compte, mais ça a été le cas depuis toujours, que les frontières entre le rationnel et l'irrationnel, entre le visible et l'invisible, entre le conscient et l'inconscient sont devenues très poreuses, sont devenues très floues. Et ce que les morts peuvent nous dire, et ça, je trouve ça important quand les gens demandent aussi aux morts de venir, c'est que les morts peut-être nous demandent de ne pas être des morts vivants. Et peut-être, mais ça c'est une hypothèse tout à fait personnelle, mais moi j'aime à croire qu'ils ont quelque chose de l'ordre de la réclamation à ce qu'on soit plus vivant du temps de notre vivant. Liliane Moisan est persuadée que l'âme survit à la mort du corps physique. D'ailleurs, bien avant de recevoir la visite de l'esprit de sa propre fille, une autre présence s'était déjà manifestée dans la maison familiale. Depuis le décès de Marie-Annick, plusieurs personnes affirment avoir ressenti
ou même avoir vu sa présence. Une présence bien souvent rassurante et bénéfique. Quand Marie-Annick a eu environ 7 ans, on habitait déjà dans cette maison-là depuis au moins 2 ans, dans la maison qu'on habite encore d'ailleurs. Elle m'a dit « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Elle a dit « Promets-moi que tu vas pas rire de moi. » Je la voyais venir. Elle m'a dit « Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je sens quelqu'un dans ma chambre. » Moi, je lui ai répondu « Mais je te crois, Marie. Jamais je vais penser que t'es folle ou jamais je vais rire de toi parce que moi aussi, je le ressens. » En tant que parent, on doit se poser la question, si notre enfant voit des choses, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui dit, bon, c'est beau, tu vois un fantôme, puis c'est quoi son nom, puis qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il veut, puis etc. Est-ce qu'on encourage ça ou au contraire, on veut défendre notre enfant de croire à ça? Donc, l'enfant, rapidement, selon son éducation, peut... arrêter finalement d'avoir accès à une information qui est peut-être privilégiée, qui va peut-être lui amener plus tard à avoir un don, à voir des choses que les gens ne voient pas. Puis, un bon matin, Marie-Annick prend finalement contact avec la jeune fille. Ce matin-là, Marie-Annick est venue me retrouver pour me dire « Maman, maman, j'ai vu la présence, j'ai vu l'entité dans ma chambre. » Puis elle me disait que c'était une jeune fille d'environ 15 ans, puis c'est le bruit de sa chaise qui l'avait comme réveillée ou attiré son attention. Et elle dit, quand j'ai regardé, j'ai vu ma chaise tirée et je l'ai vue assise à mon pupitre face à ma fenêtre. Et elle m'a détaillé que c'était une adolescente d'environ 15 ans. Mais elle dit, là, j'ai pris peur parce que c'était tellement clair, maman. Je voyais toute sa jaquette d'époque et tout. Elle dit, j'ai pris peur, puis je me suis cachée en dessous de mes couvertes. Elle dit, puis je lui ai demandé de partir. Je me suis dit, bon, pour me débarrasser de quelque chose, il faudra que je commence par savoir c'est qui. Alors, tout simplement, j'ai pris mon acte de vente de ma maison. Je l'ai relu, et à ma grande surprise, il y avait seulement un propriétaire intermédiaire entre nous et le propriétaire initial de la maison. Je voyais par l'acte de vente que ma maison datait de avant 1900 et que c'est un petit village et que ces gens-là habitaient là depuis le tout début. Donc, logiquement, il aurait dû être enterré au cimetière du village. J'ai trouvé tout de suite la pierre tombale de ces gens-là. Sur la pierre tombale, il était mentionné est décédée à l'âge de 17 ans, Lise, le 18 septembre 1952. Donc, j'ai compris que l'entité de Marie me disait avoir vu, me disait qu'elle était une jeune fille de 15 ans, c'était elle. Et fait encore plus particulier, c'est qu'après le départ de Marie-Annick, j'aurais jamais fait ça son vivant, mais après son départ, j'ai lu son journal intime et je me suis rendu compte que Marie-Annick, elle avait baptisé son journal intime Lise. Elle avait commencé ce journal intime-là 3 semaines seulement après avoir vu l'entité. Solange Pellant a vécu dans son enfance une rencontre étonnante qui fut déterminante tout au long de sa vie. Le garçon qui venait me voir était grand. Il avait les cheveux frisés et châtains. Il avait des très beaux yeux gris, très profonds. Et il me parlait de sa vie au paradis, de la lumière qu'il y avait, de la douceur. Tout était léger, tout était beau. Et comme moi, on me disait souvent que je mourrais, parce qu'on savait pas ce que j'avais, que j'étais souvent entre la vie et la mort. Pour moi, c'était pas un discours qui me faisait peur, au contraire, c'était très rassurant. Le père de Solange Pellant apprend l'existence de ce mystérieux visiteur qui se fait appeler Fernando. La nouvelle provoque chez lui un déferlement d'émotions.
J'ai dit, ben, il s'appelle Fernando. Et mon père s'est mis à pleurer. Et j'ai compris que c'était quelqu'un qu'il connaissait bien, que c'était très émouvant pour lui d'entendre ce nom-là. C'est alors que Solange apprend que Fernando est en fait le fils décédé de son père. La description qu'en fait Solange ne laisse planer aucun doute dans l'esprit de celui-ci. Solange reçoit bel et bien la visite de Fernando, son demi-frère décédé 15 ans plus tôt. Il y a certainement un lien ou une raison pour laquelle la personne va voir cette apparition-là. Parfois, il y a un échange verbal entre ces deux, entre la personne et l'apparition, disons. Parfois, l'apparition va même donner un nom. Je m'appelle telle personne. Je pense que on est qui, nous, pour dire non, non, c'est pas vrai, non, non, t'as vu personne, arrête-moi ça, les fantômes n'existent pas, etc. On est qui, nous, pour vraiment dire ça? C'est pas parce qu'on le voit pas que personne d'autre peut voir des phénomènes comme ça. J'ai eu le privilège toute ma vie par la suite d'être accompagnée de gens qui venaient de l'au-delà. J'attribue ça probablement au fait que, ayant été tellement malade, il y a eu des rechutes par la suite, où j'ai été entre la vie et la mort, j'ai l'impression que le voile s'est jamais complètement fermé. Mais par rapport à l'entité qu'il y avait chez moi, Marie-Annick et moi, on avait eu des manifestations, toutes les deux. La manifestation n'était pas néfaste ou violente ou dangereuse. On s'accommodait de cette présence-là. Moi, j'étais convaincue et je savais que c'était quelqu'un qui avait habité la maison avant nous. Donc, j'avais dit à Marie-Annick, il faut respecter ça. C'était sa maison avant d'être la nôtre. Vous savez, souvent, les gens vont dire « Ah, je pense à telle personne, à telle occasion, quelqu'un qui est mort, qu'on a aimé. » Et là, c'est vraiment un pouvoir bénéfique des morts. Qu'est-ce qu'il me dirait? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Qu'est-ce qu'il me conseillerait de faire? Donc, il y a cette, je dirais, cette familiarité avec les morts qui se continue par-delà la mort et qui peut se continuer pendant des années. On le retrouve, moi, je le retrouve en clinique de deuil très souvent chez des gens qui continuent d'avoir cette relation-là. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette relation-là, comme entre vivants, elle évolue. Depuis l'enfance, Marie-Annick partage avec sa mère un intérêt pour le monde de l'invisible. La relation de confiance et de confidence entre la mère et la fille pourrait expliquer en partie le fait que Marie-Annick ne semble pouvoir se détacher de sa maison familiale, et cela malgré sa mort. Le décès de Marie-Annick Vigé a profondément bouleversé tout son entourage. Mais pour Liliane Moisan, la mort prématurée de sa fille était déjà annoncée, et cela dès le plus jeune âge de Marie-Annick. À la naissance de Marie-Annick, son père a demandé à quelqu'un qui connaissait, qui faisait les cartes du ciel, de faire nos cartes du ciel et celles de Marie-Annick. Donc, quand la carte a été prête, il nous l'a remise. Moi, je l'ai lue, curieuse que je suis. Je l'ai lue tout de suite. J'ai lu la mienne, celle de mon conjoint. Mais à la lecture de celle de Marie-Annick, j'avais remarqué qu'il y avait très peu de pages à sa carte du ciel. À sa lecture, j'ai compris tout de suite, là, parce qu'à la fin de la lettre, ça disait que Marie-Annick était pour décéder jeune dans un accident tragique. Il arrive qu'une âme qui a fait le passage de la mort ne réalise absolument pas qu'elle est passée de l'autre côté. Si au moment de la mort, on est dans un état de distraction, ça pourrait être causé par des drogues, ça pourrait être causé par de l'alcool, ça peut être causé aussi par des états émotifs, de la colère, de la haine, ça peut être causé par un refus d'accepter la mort. Alors, de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de reproduire exactement ce qu'on faisait. Mais là, à un moment donné, on ne va pas comprendre que les autres ne nous répondent plus, qu'ils ne semblent pas voir qu'on est là, qu'on a beau essayer par toutes sortes de façons, ils ne vont pas s'apercevoir qu'on est là. Et c'est ce qui va faire que peu à peu,
on va prendre conscience que peut-être quelque chose qui a changé. Mais ça peut être très long chez certains individus, dépendamment de leur état de conscience et de leur état émotif. Nous, on a fait le deuil d'une personne extraordinaire, mais elle a dû faire le deuil de tout. Le deuil de ses habitudes de vie, le deuil de ses amis, le deuil de son travail, de son incarnation, de tout. Donc, ça lui a pris, je me disais que ça lui avait pris 9 mois pour comprendre et partir. J'ai réalisé, et différentes personnes aussi, qu'elle avait quand même la capacité de se manifester à nous. On pouvait lui demander des choses, de lui demander de l'aide, de lui demander de confirmer que notre lien était toujours là, qu'elle était toujours présente, qu'elle était capable de revenir nous montrer signe de sa présence, nous apporter son réconfort ou son soutien, son aide. Et immanquablement, on l'avait. Et ce qui était particulier, c'est que quand ça arrivait, il y avait toujours une libellule bleue. Ça, c'était le signe pour nous. C'est comme si Marie-Annick nous disait, « Voilà, je vous ai accordé ce que vous m'avez demandé, c'est bien moi. » La libellule bleue étant son insecte favori, elle s'en était faite fait tatouer un sur l'épaule, une libellule bleue. Ça nous a aidé, tout le groupe et moi en particulier, à faire le deuil du fait que, tranquillement, elle partait, mais j'avais quand même des signes. Marie-Annick donne beaucoup de signes, je crois, puis elle en a donné, elle en donne encore, parce qu'elle était comme ça dans la vie sur Terre aussi. Elle était une personne très généreuse. Je crois que d'être de l'autre côté aussi, elle veut toujours continuer à aider. C'était dans sa personne d'aider les autres. C'est sûr qu'il y a certains phénomènes où il faut demeurer sceptique, je crois, des rapprochements ou des synchronicités ou des moments où on va faire des liens où peut-être il n'y a pas lieu d'en faire. Par contre, je trouve que c'est toujours un peu rassurant parce que c'est toujours des choses positives. Donc, pour moi, c'est rassurant. Mais je pense qu'il y a eu tellement une grande variété de phénomènes et pour tellement un grand nombre de personnes que... ça veut vraisemblablement dire quelque chose. La présence physique a disparu et elle peut nous manquer cruellement. Mais quand on sait qu'au moment opportun, on aura la possibilité d'aller chercher un conseil, un mot d'encouragement, une marque d'affection, effectivement, ça permet aux gens de cheminer dans un deuil d'une façon qui me semble plus saine et plus naturelle que de couper complètement tout lien. La majorité des gens ne sont pas capables de ça. Alors, ça permet non pas de rentrer dans un monde imaginaire, mais simplement d'être convaincu que l'amour demeure. Je peux pas l'oublier. Je le voyais penser à toutes les minutes, toutes les secondes. Là, je vais avoir un... Des fois, je penserai pas, mais c'est, ça va me revenir d'un coup comme ça. Là. Je peux pas l'oublier. Elle était trop proche de moi dans ma vie. C'est une personne... On n'oublie pas une personne comme Marie-Annick. Marie-Annick, après tout près de 4 ans de son décès, oui, elle me manque encore, c'est certain. J'ai fait la paix avec ça. Je n'ai pas accepté, parce que le terme « accepter » veut dire donner son accord à quelque chose. On m'a jamais demandé mon avis, puis de toute façon, j'aurais jamais donné mon accord à ce que mon enfant me soit arraché des bras. Mais je me suis résignée. C'est sûr que le temps met un certain baume. On s'accoutume, tant bien que mal, à son absence. Et heureusement, les manifestations qu'elle nous donne, quand on lui demande, font que ça aide à passer.